Bonjour, je suis Emmanuelle du site devenirbilingue.com, le blog qui vous aide à choisir les meilleures solutions pour apprendre une langue. Alors, à l'approche des fêtes, je voulais vous présenter rapidement un magazine que je trouve vraiment chouette pour les lycéens et même pour les étudiants après bac. Il s'agit de I Love English World. Le mot World est important parce que dans les 4 magazines I Love English, c'est celui qui s'adresse aux lecteurs les plus âgés à partir de 15 ans. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? D'une part, parce que mes deux ados qui ont 16 ans l'ont jugé pas mal du tout. Bon, en langage d'ado, ça doit vouloir dire qu'il est à peu près digne d'intérêt et surtout qu'il répond bien à leurs attentes. Donc, je vous en parle aussi parce que l'équipe de rédaction de Bayard a complètement revu la formule et que cette nouvelle version a des bonus que je trouve vraiment bien adaptés aux grands ados. Alors, je vais vous montrer les différentes rubriques du magazine. On va prendre l'exemple du numéro d'octobre sur le thème « Welcome to the future ». Si je regarde le sommaire, ça vous montre directement que vous avez 3 niveaux pour faciliter la lecture. Niveau 1, 2 et 3, avec à chaque fois des textes adaptés à des niveaux de plus en plus évolués. Donc petit à petit, on va aller plus loin dans le thème et on va s'attaquer à des articles plus complexes. Alors, feuilletons un peu le magazine. La première partie, donc, on va toujours rester dans ce thème du futur, mais on va l'explorer de façon de plus en plus approfondie au fur et à mesure. Donc, on va commencer par quelques facts, par des chiffres clés pour vraiment rentrer dans le thème. On a aussi une interview sur soit un personnage fictif, soit même un objet, donc c'est assez original, ça permet d'aborder le sujet d'une autre manière. Ensuite, donc, un premier article avec des textes assez courts. Et puis, voilà, donc là c'est toujours sur le futur, donc des petits textes faciles à grappiller. Et puis on arrive à la double page de la fin de la première partie qui récapitule un peu avec des exercices le vocabulaire. Et puis là je vais m'arrêter 2 secondes parce qu'on a un QR code qui est donc dans cette nouvelle formule le moyen de compléter ces contenus textes avec des vidéos. Donc l'intérêt c'est que là par exemple vous allez flasher le code et arriver sur leur chaîne I Love English Magazine sur laquelle vous aurez la chanson que vous allez écouter pour remplir les blancs de l'exercice. Voilà, donc on a différents types de vidéos. Ça peut être effectivement des articles qui sont lus, ça peut être des micro-trottoirs de jeunes américains qui vont donner leur point de vue sur le sujet, etc. Ensuite, on attaque le niveau 2, donc avec une BD d'Elon Musk. Donc on reste sur le côté humoristique, lecture, plaisir, mais en même temps on apprend quand même pas mal de choses sur la vraie vie d'Elon Musk, donc en lien toujours avec le thème. Ensuite des textes donc un petit peu plus cossus sur toujours donc les inventeurs, l'énergie du futur avec la fusion nucléaire. Donc on va plus loin dans le sujet. Au niveau 2 toujours donc fin de la partie avec une double page d'exercice pour voir si on a bien acquis le vocabulaire, si on a bien compris, etc. Et puis troisième partie, là vous voyez c'est des textes quand même beaucoup plus soutenus avec des sujets aussi qui approfondissent le sujet du futur, l'intelligence artificielle. Voilà, donc on a vraiment à ce moment-là des contenus qui vont aider les ados à réfléchir à des sujets de société ou d'actualité, qui vont aussi les inspirer sur leurs argumentations, aussi bien dans des devoirs en anglais ou même en français, en philo, etc. Voilà. Je continue donc la double page pour terminer sur la troisième partie avec là aussi des petits exercices. Et puis j'aime bien aussi à la fin cette page qui est dédiée à des expressions en anglais. Là aussi vous allez compléter, vous allez aller sur YouTube grâce au QR code, trouver une vidéo, faire un petit quiz sur les expressions, sur le thème. Donc là c'est en lien avec le mot time qui est effectivement toujours lié au thème du futur. Et donc, à chaque fois dans le magazine, vous avez de quoi vous aider avec cette petite bande en bas qui donne un lexique avec quelques mots de vocabulaire. Et à chaque fois, on a un petit astérix dans les textes, donc c'est très bien fait. Je trouve que le magazine, il est vraiment abouti. Il est intéressant à la fois pour des élèves en seconde, en première, en terminale ou même après, et même pour vous en tant qu'adulte. Donc vraiment, c'est un magazine, en fait, j'aimerais que tous les lycéens y soient abonnés. Et si c'est pas à ce magazine-là, en fait, que tous les lycéens soient abonnés à un magazine en anglais pour une lecture un peu plaisir, mais aussi pour faire de l'anglais de façon régulière, sans trop se prendre la tête, mais en ayant quand même
des vrais contenus. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, peut-être pour des cadeaux de fête. Je vous dis à bientôt sur le blog. N'hésitez pas à aller voir notre article sur ce sujet qui vous donne plus d'explications encore et bien sûr sur d'autres idées de cadeaux de Noël. À bientôt !